information qui a dominé l'actualité dans la cour pays d'Haïti, Liné Baltazar, qui est président parti haïtien tête calée PHTK, mandé président de la République là, Jovenel Moïse, pour bail question référendum constitutionnel ça vague. L'autre information n'a bien porté pour là, Michel Simpson, actuelle ambassadrice États-Unis dans la cour pays d'Haïti, eh bien nommé assistant secrétaire d'État pour organisation internationale. Nous connaissons gouvernement Biden lui-même a fait un pile nomination, même si bien Sénat a beaucoup accepté, mais immédiatement Sénat lui-même li garder dossier Mounsao li accepté, eh bien Mounsao capable entrer en fonction. Insécurité a toujours avalé terrain dans la cour pays d'Haïti. Nan Delma 32, des jeunes garçons perdit la vie en bas mais bandi moun pas rivé identifié. Eh bien population nan kafou toujours bloqué rentrer sud capitale pays a pour exiger libération diaspora canadienne, ça que nous connaissons nos job, et bien, il a été kidnappé jour mercredi 14 avril 2021. Là, et bien, c'est toute information ça avec un pilote qu'on a mis pour porter pour vous, ou même qui pourquoi abonner à la chaîne là, n'a pas de faire ça, kounya là, comme ça, ou pas perdu même yon yota, nan série information n'a bien pour porter pour vous. Eh bien, je nous ai annoncé là, président parti haïtien, tête calée, PHTK, Liné Baltazar, voyez conseil par le président de la République, là, Jovenel Moïse, pour bail question référendum constitutionnel, ça vague. Bien, nous connaissons l'année 2021, ça, président Jovenel Moïse, il y a deux objectifs qui c'est faire référendum constitutionnel. Et puis organiser élection. Référendum constitutionnel ça lui-même était prévoit pour le 27 juin 2021 là et élection était prévoit pour mois septembre 2021. En pile monde boudé, en pile monde fâché, bien presque tout le monde pas d'accord avec question référendum constitutionnel ça puisque on dit président Jovenel Moïse pas qualifié assez pour capable faire référendum constitutionnel. Et bien dans même sens ça Liné Baltazar dit si tout le monde dans la société a pas d'accord ou fait puis ga ou forcer fait bay ça vague ce message ça li voyer bay président république là Jovenel Moïse même pour li bay question référendum constitutionnel ça li même li vague. Eh bien Liné Baltazar tout li conseiller président pour li chercher joindre bon gens accord politique qui capable permettre eh bien, gain élection qui est organisée et puis il mande tout pour président changer conseil électoral provisoire qu'il a. Ça veut dire Liné Baltazar en tant que PHTK partisan pouvoir lui-même les conseiller président République là Jovenel Moïse. Mais n'a pas songé tout dernier jour passé au grand pile militant dans PHTK qui t'a râlé aux oreilles président Jovenel Moïse, eh bien peut-être gâteau a été mal séparé. Yo t'a dit président Jovenel Moïse, c'est yo qui mettait le côté lié là, ça veut dire gen bagay yo pas joine, gen bagay fòk yo joine, yo doué joine sinon yo capable camper contre président Jovenel Moïse. Eh bien, yo t'ai bail délai yon mois, ça veut dire yo t'ai dit si eh bien besoin yo pas satisfait, eh bien à partir de 18 mai y a foulé béton eux-mêmes pour y aller à bas président Jovenel Moïse. Nous par contre si qu'on y a besoin ça eux-mêmes satisfait, mais président PHTK lui-même Liné Baltazar le conseiller président il dit bail za fait référendum constitutionnel ça lui-même ni vague il pas dit li camper en face président Jovenel Moïse tout, mais il porter un conseil bail président lui-même qui c'est allié pal. Yon l'autre information qui a dominé l'actualité à la, Michel Simpson, eh bien, qui est actuelle ambassadrice États-Unis dans la cour pays d'Haïti, fait joindre nomination dans l'administration Biden nan, comme assistant secrétaire d'État pour organisation internationale.
bien nomination madame Sisson lui-même comme assistant secrétaire d'État mais prouvé mission li en Haïti fini même s'il si peut rentrer en fonction puisque pour entrer en fonction faut que Sénat lui-même garde dossier si vous éligible pour faire ça mais ambassadrice ça après depuis fin nommé li pape ambassadrice États-Unis dans la cour pays d'Haïti encore. Eh bien, n'a souligné tout, madame Sisson lui-même était ambassadrice États-Unis dans pays Sri Lanka, dans pays Liban était ambassadrice tout, elle était ambassadrice États-Unis dans Émirats Arabes Unis, elle était chef mission en Irak, elle était chef mission au Pakistan. Ça veut dire madame Michelle Sisson lui-même, elle gagne une carrière dans sa relation internationale. Ça veut dire c'est pas n'importe mon madame là même si sorti de ambassadrice descend en tant que secrétaire d'État et bien assistant secrétaire d'État ça veut dire bien ou t'a dit madame là lui-même li dégradé dans poste en tout cas lui-même li toujours prêt depuis pour servir pays et bien c'est ça qui fait li accepter et bien poste assistant secrétaire d'État pour organisation internationale yo. Qui est-ce qui va le nouveau ambassadeur ou ambassadrice États-Unis dans la coupe pays d'Haïti? Nous par contre on attend nomination yo faite pour ça puisque nous connaît les États-Unis avec Haïti ou même toujours une bonne coopération puisque dans dernier message qui était sorti sous compte Twitter les États-Unis et bien au fait connait il y a pas et bien tant avec impatience étroite collaboration avec nouveau premier ministre AIA Claude Joseph. L'autre information que nous portons pour là qui a rapport avec insécurité dans la coupe pays d'Haïti ben dans Delma 32 des jeunes garçons arrivés perdu la vie. Nèg exam nous connaissons eux-mêmes qui fait actualité dans la coupe pays d'Haïti dernier jour ça yo touye moun Jean ouvle les ouvle côté ouvle et les ont fin fait action ça yo aller tête frais tête posée pas gain patrouille police qui pour ta stopper yo et yo avec gros am nan meyo population an, a deux meyo de PO yo pa vle camper en face nèg ça parce que les nèg ça fin vin font crime et bien tout l'autre monde qui ta vle fait en réaction et bien y a payé pour casser ça tout et bien yo l'ouvri coup d'am sous jeune garçon ça yo prend plusieurs balles nan tête bien population nan Delma 32 yo même a mandé justice pour deux jeunes garçons ça même qui perdit la vie yo. L'autre information encore route Kafou lui-même est toujours bloqué dans niveau Bizoton. Eh bien nous songe mercredi qui était bien 14 avril 2021 là bandi t'est arrivé kidnapper un citoyen haïtien qui sont diaspora qui vivent dans Canada qui portait un job. Eh bien était kidnappé lui famille lui commencé faire mouvement protestation pour demander libération eh bien il recommencer avec mouvement protestation ça encore puisque dit job c'est petite zone là eh bien il est rentré dans pays l'élevé il pas qu'à kidnapper le comme ça ça fait mettre caoutchouc il mettre machine en quoi dans l'arrière eh bien ça vient cause en pile monde cap sorti soit en bas la ville pour arriver Carrefour bien Carrefour pour arriver en bas la ville obligé prendre route là à pied parce que embouteillage là en pile malgré présence agent Udmo mais ça pas empêché population lui-même camper derrière barricade pour y exiger libération job lui-même et nous connaît kidnapping dans dernier jour ça a reprendre force en pile dans la coupe pays d'Haïti nous pas connait raison qui fait le TBC pour Madmassa puisque moi janvier était gain 55 cas kidnapping moi février était passé à 65 il était augmenté moi mars il était descendu à 27 il était diminué et pour commencement mois d'avril là plus passé 20 cas kidnapping déjà confirmé ça veut dire kidnapping n'a pas commencé plus et pour mois d'avril là il a dépassé et bien quota il était pour moi mars là et autorité au même toujours rester silence face avec phénomène kidnapping ça peuple là lui-même li wè li lagué deux bras ballants li juste sous compte bon Dieu ça fait en pile haïtien ou même ap courir quitter pays a al chercher la vie l'autre bord l'eau risquer la vie sous la mer ou bien acheter un visa rentrer République Dominicaine qui pi prévoit en tout cas
faut autorité ou même prend responsabilité yo. Eh bien, c'est sous dernière information ça nous mettait en bout avec série information nous yo. Merci à vous même qui t'ai prêté nos attention avec fidélité ou. Nous casser rendez-vous très prochainement pour l'autre série information vraiment intéressant et n'a pas invité ou à l'abonner à la chaîne là, activer cloche notification comme ça ou pas perdre même yon yota dans série information n'a bien pour poter pour encore.